Appareil photo. Tiens ton chapeau, hein. Tiens-le, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir. Au
Non mais il est en plein soleil. Donc, le moment de la remise des prix est venu. Ah ouais, ça va rechauffer, je crois. Donc, c'est un moment que tout le monde attend. Évidemment, personne n'est venu pour gagner, mais malgré tout, faute de soi-même, quand on a le premier prix, le second, le troisième, il y a quand même une certaine satisfaction. Un Forson Super Dexta appartenant à Bistour-Laurent de Vazerac dans le Tarn-et-Garonne. Enfin, il réside davantage à Montauban. S'il veut bien venir jusqu'au podium. Ah, voilà Jacques qui arrive, je le réclamais. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Jacques, c'est lui le manager de toute la partie tracteur. Moi, je suis son faible assistant. Voilà. Ah, le petit, oui. Le petit.
Bon, Laura, je suis sûr que tu ne t'y attendais pas. Mais bon, tu as le troisième prix. Je voudrais dire que moi, j'ai une certaine connaissance des tracteurs, légère, très légère. Certains diront, qu'est-ce que c'est qui différencie ce tracteur des autres? Et puis comme je me suis quand même entretenu avec les jurés. La logique fait qu'il faut passer au premier. Alors, a obtenu le premier prix, le tracteur numéro 14, propriétaire Gava David de Marmande, le Ford 8000. S'il veut bien venir au podium. Bon, alors je vais le dire, il me dit que la technique vient de cette oreille, donc vous reconnaîtrez là, pour la partie mécanique, la patte de Jacques. Bon, alors l'association de bouche à oreille vous remet le second prix. Allez, au revoir.